Lounage Guilari, Lounage, c'est le boss, le patron comme on l'appelle ici. Yo, ça va. Ça va, Lounage? Ouais, ça va, ça se passe bien. Ça, c'est tout est sous contrôle, ou bien tout contrôle, tout bagaille et... Tout bagaille net, en forme. Lounage, je me pose une petite question. Où fait un paquet de gobaï dans le business musique là, ou produit tout Gojazio, ou produit New Look, l'album Confirmation, je pense que c'est l'album, le dernier album compas le plus vendu, on peut le dire, non? Oui. Donc, c'est le dernier album compas qui est plus vendu, l'album de New Look avec Pipo Confirmation, le dernier album compas qui est plus vendu sur le marché. Et où fait tout le bagage ça, ou travaille dans un premier temps avec classe, et ou travaille avec masse compas, grâce à Delva, ses amis personnels. Ouais. Depuis un certain temps, pas de même présence là encore sur Paris. Ça qui explique ça? Est-ce que nous avons fait une maladie tout, grâce à Dieu, ou remettre tout sérieusement, ou à Kembe? Est-ce que c'est ça? Qui est la cause outre ça, Lounage? Oui, je ressens pour le moment, grâce à Dieu, merci, tout va bien. Mais je sais qui sont reconnaissants. C'est Haïtien qui est reconnaissant avec la musique là, moi je connais ça avec eux. Tel que Audrey Noël, grâce à Delva, il n'y a pas de problème. Mais le reste, désolé. Donc ça veut dire, vous voulez dire que dans le temps, ou même ou collaborer avec Class, ou collaborer avec New Look, ou collaborer avec Kenny Demangle, Zanglin. Donc, où ça. Il n'y a pas de problème. J'ai mis Kenny avec Mascompa pour le moment. C'est presque confirmé à 100%. Est-ce que c'est collaboration avec Monsa qui est un peu découragé, ou c'est quoi exactement? Parce que nous, on a une très bonne collaboration avec Denek, donc Orly La Rivière, ou par contre, on travaille à Gazman Couleur. Je veux dire, qui ça explique ça? Gazman, j'ai pas eu la chance de travailler avec lui. J'ai toujours voulu travailler avec lui, mais lui, il a toujours m'écarté parce qu'il sait que je travaille avec certains qui ont travaillé avec lui déjà, parce qu'il sait qu'il est, je pense qu'il est ogué, il veut pas certaines choses, okay. il reste à distance. Okay. Mais sinon, tous les restes, moi. Mais Ali, j'ai pas de problème, ça, lui, de gérer sa vie. S'il veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, j'attends. Je gère ma santé. Je n'ai pas envie de m'appeler X ou Paul pour discuter histoire d'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, je dis à souffre une balle, ça pousse où? C'est pour le plaisir, pour gagner de l'argent? Non, moi, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je cherche à développer, comment dirais-je, la culture haïtienne. On a une culture qui a une richesse qu'on n'exploite pas. Parce qu'on a que des imbéciles qui sont dedans. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire un album, de donner l'album gratuitement, ce n'est pas normal. Ça, je peux pas admettre ça. Un groupe fait un album, il doit vendre l'album. Parce que normalement, donner un album cadeau, c'est pas normal. Alors, il faut dire que pour ceux qui ne savent pas, Lounage, c'est un businessman. Il est très bien installé en Afrique. Très bien installé. Donc, quelqu'un qui investit son argent dans le business, c'est par amour, on peut le dire. Parce que vous n'avez pas besoin de venir là pour faire cob. Et qui cob? Non, il n'y a pas de cob dedans. Les cob qu'il y a dedans, c'est les musiciens qui gagnent. Moi, je ne gagne pas, moi. Et ils gagnent, moi, je ne gagne pas. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent avec les musiciens. Et pour ça, je suis un peu découragé. C'est tout. Alors, où sont haïtiens? Vous faites en Haïti? Oui, je suis en Haïti. Faut-il parler de vous? Comment vous sortez à Haïti pour vivre à Paris, pour tomber en Afrique? Vous retournez à la case en 7 ou? Je suis en Haïti, je suis 17 ans. Je viens à Paris, je fais 20 ans à Paris, après je suis en Afrique, à l'âge de 25 ans. Depuis 25 ans en Afrique jusqu'à nos jours. Ça me fait 58 ans, je veux dire. Je ne parle pas de là, je suis fier de là. Je suis 58 ans. 58 ans? Oui. Je vis en Afrique depuis 30 ans. Je n'ai pas de problème. Je reviens. Grâce à Dieu, l'Afrique a mon place pour me vivre. Je sens la caille. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que vous faites en Afrique comme business? Je vends un camion, je fais un transport, je suis immobilier. Donc, vous avez combien de pays en Afrique? Je suis dans deux pays, Burkina Faso et Togo. Quand on dit Lounage en Afrique, c'est un patron, un boss? Non, c'est un chacal. C'est quoi ça, un chacal? C'est un débrouillard. C'est vrai, il se débrouille bien, Jean-François. Il se débrouille bien. Non, quand on dit débrouillard. Hein? Je me permets d'intervenir dans ton live. Parce mais je t'ai invité aussi. Pas de problème. En fait, moi, les gars, Lounage. Ouais. J'ai eu cette chance d'aller chez lui en Afrique. Bon, il ne va pas dire, mais c'est vrai que c'est un grand monsieur. C'est vraiment quelqu'un qui... En toute honnêteté, je l'entendais, Matagat en Nigapalé, il a fait musique parce qu'il aimait ça, quoi, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui a tout, quoi. Il a tout. Il a vraiment tout. Et mon quoi que bon Dieu déposé la main en l'air, quoi. Et puis, ce que. Je peux parler un peu de toi, ça va aller en jeu. En fait, il est reconnaissant comme gars. Il aide beaucoup de personnes en Afrique. Il aide beaucoup de personnes. Et il est. Les gens l'aiment aussi, lui donnent en retour, quoi. Et on est parti en Afrique, on était avec Berlin, on était avec aussi Fonfon, on a fait de belles choses. On a fait le Bénin, on a fait le Togo.
Et vraiment, c'est un monsieur. Et la musique, pour lui, il aime la musique haïtienne. Mm-hmm. Il fait pas ça pour gagner. C'est pas pour, en gros, en créole, on dit, mais c'est pas qu'à mort fin, quoi. Voilà, en gros, c'est pas qu'à grand goût. Oui. Ok, très bien. Alors, pas de problème, c'est important. Oui. Bon, en tout cas, c'est important. Il faut que les gens sachent qui est Loulange. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas, qui entendent parler, qui ne vraiment connaissent pas. Moi-même, j'entends parler de où. Donc, en tant que business music, là, tout le monde connaît, mais est-ce que le grand public connaît Loulange? Je ne pense pas. Le grand public connaît Loulange et connaît plus Belin que moi parce que j'ai mis Belin devant des choses. Ouais. Mais Loulange était derrière Belin. Maintenant, Belin, il est patron de ACP. Moi, ACP, je l'ai laissé pour Belin, gratuitement. Gratuitement. Il a gardé ses malades, il a gardé. Moi, je l'ai laissé pour lui. Il va gérer une autre société. Est-ce que Loulange a retourné dans le business le même genre? Tu as fait Karimi au Zénith. Le dernier Zénith qu'on a eu avec Karimi en 2014, le 7 avril 2014, j'étais là, 6500 personnes remplies. C'était énorme. Depuis, Lesan Bajam, mon groupe qui fait Zénith encore. Est-ce qu'on va retourner là encore? Non, je retourne, mais je ne retourne pas pour les musiciens de Karimi. Les membres de Karimi, ils ne sont pas du tout sérieux. Non, les membres de Karimi, ce qu'ils ont fait là, c'est malhonnête. Ils ne peuvent pas monter un groupe comme ça, casser ces groupes. Ils ne sont pas supposés écraser les groupes là, c'est ce qu'on dit là. Ils ne sont pas sérieux pour ça. Donc ça dérange. Ils ne sont pas d'écraser. Parce que mes vestibules sont un peu comme dans un groupe ça. Jusqu'à maintenant, le groupe là, ils doivent l'argent. Ils doivent l'argent. Ok, il n'y a pas de casier, non, malhonnête. Mais apparemment, finalement, selon ce que j'ai eu, selon les bruits qui courent, tout le monde doit l'argent. Hein? tout le monde qui doit me dire, qui pas de me dire, grâce à papa de l'argent, grâce à ses amis. Même si tout ça me gagne, c'est pour grâce à. C'est ça, là, me dit, là, sans pas parler, mais les non grâce à, même pas grâce à, en pile respect. Ouais. Je prends grâce à pour imbécile, mais qui peut à l'école, mais n'est-ce pas, qui peut à l'école. Grâce à l'intelligence, abonne tout. Wow. Donc, à quand un nouveau Zénith? Il n'y a pas de nouveau Zénith. J'ai commencé petit à petit pour monter. Moi, je ne promets pas que je ne fais pas. J'ai la capacité de faire, mais je vais doucement. Je gère ma santé. Je tiens à présenter Didier Flo. C'est un Martiniquain qui... Il est là. Non, il n'est pas là. C'est Didier Flo qui travaille avec moi maintenant. Je n'ai pas Didier Flo. J'ai donné une chance à Didier. Donc maintenant, à Paris, pour Loulange, le représentant, c'est Didier Flo. Je rappelle que Didier Flo est un Martiniquais. Ouais, il était avec moi. Dans le temps, tu travailles avec les Haïtiens. Il a peur, mais non. Non, il faut le dire. Tout le monde c'est moon. Non, je sais. Non. Laisse-moi te dire. Laisse-moi parler. Mec, c'est nègre. Non, mais tu sais. Moon c'est moon. On n'est pas là. C'est moon. C'est fait. Bon, laisse-moi parler. Il a posé la question. Je reviens d'ici pour la question qu'il a posée. Il a dit pourquoi je laisse les Haïtiens, je n'ai pas dit Didier Flo. Écoute-moi bien, il y a beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux qui veulent mettre. Beaucoup veulent mettre des bâtons dans le pied de Didier Flo parce qu'ils sont antillais, les réseaux sociaux. Mais demain, je ne peux pas prendre tout le monde pour travailler, j'ai choisi. Il y a un problème dans la vie, moi j'ai choisi. Quand je suis arrivé en Afrique, dis-moi une chance, j'ai gagné ma vie, j'ai choisi 4 jeunes Africains pour travailler avec moi. Aujourd'hui, les 4 jeunes Africains là, ils sont immensement riches, mais ils me respectent. Quand je demande quelque chose, ils me respectent. Quand ils me voient, ils me disent, patron, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si je les appelle maintenant, ils laissent les affaires pour aller faire mes affaires. Mais les Haïtiens, c'est le contraire. Ils ne sont pas reconnaissants. Non, ils sont pas. Non, les Haïtiens ne sont pas du tout reconnaissants. Quand il y a des Haïtiens, ils vont chercher à prendre ta femme. Loulange ou raide, quand même. C'est pas raide. On explique, on va. Parce que ce n'était pas prévu, je me permets d'intervenir dans ton show. Pas de problème. Les hommes ont tous des défauts et des qualités. C'est le propre de l'homme. Loulange ou ni défaut ou ni qualité. Moi, ni défaut, moi, ni qualité. Guy, oui, ni défaut, ni qualité. Michel, ni défaut, ni qualité. Gente Bouktagila, ni défaut, ni qualité. Tout nek, c'est nek. Tout monde, c'est moun. Faut pas nous entrer dans Bagayeta là. Nous avons tous des défauts et des qualités. Tu fais trop une généralité. Tu fais trop une généralité, Loulange. Si tu permets, bien sûr. Quand tu vas dans une banque, tu vas faire un crédit. On te donne des formulaires à remplir, des documents. Tu prends un engagement. Mais. Avec ces chances-là, moi je l'ai aidé, je n'ai pas pris engagement. Aujourd'hui, mes droits, c'est comme si c'était un cadeau voué. Non, mais Laura dit, en fait, Laura dit Loulange que Haïtien pas sérieux, Haïtien social. Ça va déranger moi parce que je vais répéter encore. Tout le monde ni défaut, tout le monde ni qualité. Oui, bien sûr. Jean-François, ta politique. Trop dur. Non. Pour dur, il faut que je cite les noms des gens. C'est ça que tu aimerais entendre. Mais je ne cite pas. Il va citer ça. Non, il veut m'amener dans ce contexte-là. Il me dit, je suis trop dit, je n'ai pas trop sévère. Mais si tu es à ma place. Si tu dis ça, c'est que tu as beaucoup souffert, je suppose. J'ai beaucoup d'argent dehors. Si tu veux savoir, j'ai beaucoup d'argent dehors. Là, tu ne pourrais jamais imaginer.
Wow. Ouais, j'ai beaucoup d'argent dehors. Mais quelque part, excusez-moi de dire ça, mais l'argent, ce n'est pas un tout non plus. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, je crois que nous, je le répète encore une fois, moi pas là pour pas mon lisson. Nous, ni défaut, nous, ni qualité, tout le monde, c'est monde. Point à la ligne. Non, mais là, ouais. Vraiment, la question, ce n'est pas de valoriser une personne par rapport à son origine ou pas. C'était pas la question. Non, la question n'était pas là. Ouais. C'est une question de sérieux. C'est une question de sérieux. Non, c'est ça, c'est pas. Qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi je parle pas mal de Gracia ? Pourquoi ça ne va pas parler mal de Gracia ? Parce qu'il était correct avec toi, je suppose. Il est correct avec moi. Ouais, ben justement, mais ça arrive à tout le monde. C'est comment expliquer ça ? Tu peux tomber sur des gens sérieux, des gens pas sérieux. C'est le monde, le propre de l'homme. Ouais. Je l'appelle, je dis, je vais à Monique, il m'a dit, Lola, c'est déjà ma Monique, il n'y a pas de problème. Okay. Il est reconnaissant. Mais il y a parmi d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont oublié le passé. Quand ils étaient dans les trous, on les a déjà traités dans le trou, mais en haut, maintenant, ils veulent pisser sur ma tête. Mais il y a un Dieu, mon ami. Pour terminer cette discussion, Lolange, avec tout le respect que je te dois, ça n'a pas été prévu comme en grand choix, puisque moi, je viens faire une émission aussi, puisque nous avons couvré aussi les images pour Télé Antilles. Si vous avez la Free, mais en fait, il plus moins, c'est le canal 932, la Freebox TV, ou encore le www.téléantilles.com. Mais avant l'image, moi, en fait, ça, moi, je ne l'ai dit pas là, Lolange, c'est que tout le monde, c'est Moon, pardon, et dans l'histoire, chaque homme a ses défauts et ses qualités. Ça veut dire que moi, j'ai appris à être comme ça maintenant dans la vie. Quoi. C'est-à-dire que je ne me... Si un monde fait du mal, un monde dit si vous êtes... Il ne faut pas vous accepter. Non, va pas me dire. Ouais. Si, admettons, je suis malade, je suis dans une chaise roulante, je dis, je n'ai pas de quoi manger. Est-ce que j'ai un ça ou ouais, pense à moi ? C'est ça qui m'a fait comprendre. Ah ouais, c'est vrai. Alors, cela dit en passant, je ne sais pas si on peut, en gros, je peux comprendre que tu sois amer parce que tu as eu un moment difficile dans ta vie et ces gens-là n'ont pas été là, c'est ça. Ils ne sont pas là, ils ne sont même pas là pour m'appeler Lola, je t'ai besoin d'âge. Ah, pas comme un kirelo, l'autre est malade là, pas comme un kirelo. Ouais, ça t'est chaud, ça t'est chaud. On souhaite que tu parles, que tu crèves comme ça et tu oublies. L'autre, comme un kirelo, il ne peut pas dire pour pas là, pour le caquer comme là. En fait, ça, Lola. Mais Lola, je comprends. Là, maintenant, tu sais quoi, au contraire, tu dis, moi, je commence à comprendre. Frustration. Voilà. Ouais. En fait, ça qui passait, nous dit ça, Lolange a fait une attaque, un AVC très dur. Ouais, bien sûr. Et quand il avait besoin de certaines personnes, elles n'étaient pas là. Et je peux comprendre maintenant pourquoi tu es devenu aussi amer. Je vais te dire pourquoi je suis amer avec les Haïtiens. Ouais. La Mecque, ta vie, à la Mecque, quand ils ne nous disent pas à la Mecque, j'ai des amis qui ont demandé de la prière à la Mecque pour moi. Tout la Mecque a prié à mon nom. Ouais. Demandez de prier pour Lolange. Voilà, mosquée. Ouais. Et donc, alors aujourd'hui, tu as certaines personnes avec lesquelles tu as travaillé, des Haïtiens entre autres, qui n'ont pas été reconnaissants, c'est ça Lolange. Reconnaissant. Wow. Loin de là, ils sont même pas été. Ils souhaitent ma mort. Un qui savait pas. Un qui savait pas. Ouais. Quand il m'a vu, qu'on a discuté, qu'on a échangé, j'ai parti de Fab. Quand il discutait, il m'a dit, oh Lolange, tellement tu m'as fait du mal, je voulais ta mort. Il dit, non, mon ami. C'est quand il dit, c'est pas moi qui a fait ça, c'est là, il a présenté ses esquides. Il savait pas. J'ai rien avec lui, mais ça, il a souhaité ma mort. Parce qu'il a croyé que j'ai mis des tirs en face de lui pour les casser pourtant. Mais cela dit en passant, Lolange, et puis tout respect, encore, la vie c'est des épreuves aussi. Ça veut dire que. Et puis la vie est comme ça. Combien tient maillot, Lolange ? Je me rappelle poser une question. 10. On est 10 tiens maillot. Ouais. Est-ce que vous pensez que les 10 tiens maillot, il y a tout qui reconnaissent ? Alors pour moi, quand je dis que c'est maman, c'est petite. Combien petite, les gars ? Combien petite ? On dit nous 10 petites. Est-ce qu'on pense que les 10 petites là, les 10 ichous, caillent reconnaissants? Peut-être non, peut-être 2 ou 3 péqués, ou pas savent. La vie, c'est ça. Et puis, nous pas, je vais aller au lion au long, je vais espérer que toute amertume là, on y a, ça va passer un jour, parce que je vais trouver un amer quand même. Ouvini, il est amer, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je peux comprendre, ça fait mal. Je suis vénéré, mon ami. Ça, je crois qu'il faut peut-être, comment dirais-je, il faudra prier les gens là, quoi. Parce que, la roue tourne pour tout le monde. Non, la roue tourne. Tu vas miser $200,000 si quelqu'un, après, il te fout ta gueule, tu vas rigoler. C'est vrai. $200,000, tu vas rigoler. Je peux comprendre. Il te prend pour un con, mon ami. Bon, en tout cas. Bon, moi, c'est dur, c'est grave. Et mais moi, la vie est comme écoutez, ça. Écoutez, la vie est comme ça, mais moi-même, toujours dis ça dans le business music, ça. Moi-même, je suis un animateur engagé. Je prends des positions. Mm-hmm. J'encourage les groupes qui font des belles choses pour la musique nationale, le compas en particulier. Mais quand on a un homme comme lui, comme Rodney Noël, comme Richard Yorubin, comme Lionel L. à Montréal, qui crée des événements, qui dynamise un peu le secteur, il faut respecter ça. On est d'accord. Moi, c'est pour ça que je me dis, tout animateur radio, sous ou à faire musique, il faut qu'il y ait, faut engager ou. Gon bagarre ou doué musique là, ou doué musique là, caillou.
Parce que c'est une marque. Pour moi, le Compas, c'est une marque d'identité. Dans tout ça, tu sais ce que je me dis, Lolange, avec tout le respect que je dois, parce que je le répète, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi. Moi, je suis animateur radio sur Paris. J'ai été chez ce monsieur. J'étais là aussi, Lolange, quand tu as eu ton AVC. J'étais te voir à l'hôpital. Tu confirmes? Ou quoi, mais comment on dit ça? Moi, Vinny Ware, à l'hôpital. Et donc, je me dis que, quand je t'entends parler ainsi, je me dis, mais mince, l'homme est comme ça, Lolange. Ça veut dire que quand tout va bien, il y a là. Il n'y a ni problème, pas ni point moun. Je me dis, ben, mon maï était ni 600 moun en mariage, moi. Les mains divorcées, Bobinal, tribunal de Bobigny, nous t'es à 4. Écoute. Non, mais tu vois, ou pas? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi, j'ai un Burkina. L'homme fait AVC, allez, voyez. 6 agents viennent voir l'hôpital. Ok? L'homme monte le ligon, il s'est dit, je vais jouer pour lui gratuitement. Parce que ça, son ami. Ouais. Et moi, m'investis 200 000 dollars, 300 000 dollars, je dois. Alors, pas même relé. Alors, pour avancer dans la discussion, puisque nous allons parler franchement, nous en direct dans le Facebook, le pardon, tu le mets où, Lolange? Le pardon. Oui. Le pardon. Parce que si Boudjie mettait au doux bout là, alors d'aujourd'hui. Oui. Quelque part. Oui, bien sûr. C'est vrai. C'est Boudjie qui mettait au là. Le pardon. Qui mettait au doux bout. Faut savoir. Au final, même pas, c'est le pardonner, il va poursuivre, il va nuire. Voilà, tu as pardonné, Lolange. Ou pas poursuivre. Est-ce que tu as pardonné? Je pardonne. Tout pendant Dieu qui me donne l'argent, je pardonne. Mais si. Vous avez dit tout tel que comme, il pardonne. Mais s'il va gagner l'argent, il va brailler tout le monde. Là, je vais faire mal. Je vais faire cadeau. Je vais avoir pouvoir pour me faire mal. C'est en Afrique ma vie. Ouais. Je vais pouvoir me faire mal. Oui. Parce que si c'est fait couper, je vais couper faire appli. Bon, on arrête là. On arrête. Merci tout le monde. Merci Lolange. Ça a été un plaisir. Donc, on était donc là pour parler de la balance de harmonique. Dans quelques heures, on sera en direct, mesdames et messieurs. Je vous dis de ne pas partir. Rechargez vos portables. On sera avec vous sur la radio, également sur Facebook. Merci à tous. À tout à l'heure dans 2 heures. Bye bye.